tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur essai de jeu. Ok, cliquez. Aujourd'hui, nous allons jouer à Sanctum 2. J'ai fait l'introduction pour savoir comment ça fonctionnait et tout ça, parce que j'avoue qu'au début, je savais plus ou moins comment faire. Je sais maintenant comment ça fonctionne. En principe, là, bien évidemment. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, je sais pas si vous avez déjà joué, mais sur Miniclip, je vais vous donner un exemple, sur Miniclip, il y avait un jeu où que... il y avait un paquet d'autos qui arrivait, puis le but, fallait les détruire, protéger ce qui est au bout. Avec mais par contre, les ennemis, fallait qu'ils fassent un mèche, des fois un gros détour, bah, un détour, tout ça. Pour se rendre au but, faire se protéger de ça. Ce jeu, c'est un peu le même principe, mais la différence c'est que c'est des monstres, des bébites hein, en gros. Et aussi que c'est pas juste des bébites, c'est aussi c'est comme dans la chose un peu dans le futuriste. En gros, c'est pas mal ça. On va commencer. J'ai déjà commencé un peu comme que je vous ai dit, j'ai atteint le niveau 2. On va aller au parc, j'ai réussi l'introduction qui est tout ça. En gros, l'ennemi vient ici, puis ici il y a un petit circuit d'affaires, puis on a des canons d'affaires même. Puis il faut se protéger, puis l'ennemi il faut qu'il se rende là. Là... on va découvrir ensemble. Bon, j'ai choisi ce que j'ai besoin. Là, ça c'est toute la map au complet. Nous sommes ici. Puis là, faut bloquer ceci bien évidemment. On peut pas le bloquer au complet parce qu'il faut absolument qu'il puisse circuler. On va le mettre le plus long possible quand même. Ici, l'ennemi, il faut qu'il se rende ici. Vous voyez cette boule? Il faut qu'il se rende ici. C'est ça leur objectif à eux, c'est là. Puis nous, faut bloquer ceci. Du moins empêcher qu'il y ait trop vite là. Ah. Bloquer là en premier. Ensuite, je vais bloquer le côté. Not enough tower bases. Ah non, je peux pas. J'ai pas le choix. Tower here, tower there. On peut mourir. Puis là, attaquons. Mon Dieu. All done for now. Et voilà. Ouais. Là j'en ai. Je sais pas combien j'en ai. Le module. Ok, j'en ai 8. Hop le C. Ah c'est bien. Là, c'est nous qu'il faut créer d'une certaine façon la zone de combat. Et je vais en mettre une autre ici. Au cas où.
fait. On en a une autre. C'est bien ça. Okay, this might work. Voilà. Un peu je vois jusqu'à où qu'il voit. Une bonne portée quand même. Là, je suis prête. Est-ce que bien nous aussi on peut défendre contre ses ennemis. Ah. Bon. Bien. Wow. Ok, il est mort. Ça. Ok, il est passé. Ok, j'avais même pas vu, je pensais. En gros, ça c'est son objectif. En gros. Ou à l'ennemi, bien sûr. Voilà, ils n'auront pas le choix de faire ça. Ici, je vais le mettre celui-là. Comme ça, je vois la protection ici. Puis pour ça, je vais en mettre. Tower here, tower there. Là, on a du temps. Ce que nous avions pas tout à l'heure. Voilà. Et ça commence. Faut faire attention quand même. Parfait. Il n'y a pas un autre fusil par hasard. Yes. We're clear. Oh, c'est déjà fini. Nous avons combien de temps pour tout préparer? Une chose qui est sûre, je vais me préparer correctement. Je vais mettre des modules de ce côté-là pour commencer à préparer. Commencer à me préparer. Je dirais que je pourrais faire un petit serpentin. Malgré tout. On aurait pas pu rentrer par là. Je vois ça quand même. Ok, on voit les ennemis, ce qu'il va y avoir dans la prochaine vague. C'est sûr que l'ennemi aura pas le choix de faire le grand détour. Juste pour ralentir l'ennemi, hein. C'est ça le but. Ralentir l'ennemi le plus possible pour pouvoir par la suite le détruire, bien détruire. Moi je suis prête et on y va. Right, here we go.
Ok, il va vite quand même. Ah. Je vais rester ici comme ça. Voilà. Ouf. Oui, évident quand même. Ok, je peux en acheter deux. Parce que ça a un prix. On achète deux. Comme ça, plus que qu'un homme, mieux que c'est. Bon, ici... Tiens, on va même bloquer ça. Ouais, moi avec les serpentins de main, c'est ma stratégie. C'est sûr et certain que je vais faire ça continuellement. Parfait. Par contre, lui, je vais l'enlever. Vous allez comprendre pourquoi que je l'enlève, tout simplement parce que je vais le mettre même si... Bon, de toute façon, je suis là, moi. Je compte pour un... De toute façon, moi, je compte pour un arme. Oh, il y a là. Oh, il y a là, difficile à voir. Ah, et on l'a pas facile à voir aujourd'hui. Allez, mort. Oui. La labyrinthe. Yes. Ça c'est plus... Edward. Ok, ça c'est la vie, ok. Ouais. C'est tout? Yes. Ouh, c'est quand même stressant, hein. Faut pas dire... Je peux pas dire le contraire, c'est stressant quand même. Mais c'est pas le jeu le plus stressant. Mais c'est quand même stressant. Puis pour la finale, un autre. Ah, j'ai passé un. Dommage. C'est ça. Je suis prêt avant le temps.
au moins on peut voir la vue de chaque au moins. Oh ho. Oui. Bits and pieces. Yes. Victoire. C'est quand même une longue partie, hein. Faut se dire là. C'est pas lent. Plutôt c'est pas rapide. C'est assez lent. Vous êtes le niveau 3, vous avez débloqué éclair. Je sais même pas c'est quoi. Les emplacements des tourelles vous permet de vous équiper d'une tourelle supplémentaire. Ok. Ouh. Ça va être tout pour aujourd'hui. Ça a quand même été pas évident quand même. On veut voir que ça a de l'air. Oh! Laboratoire biologique. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça a de l'air. Pas évident quand même. Vraiment pas évident. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter. Ou encore aller visiter mon site internet dans le lien et sur le banner de ma chaîne YouTube, ainsi que mon serveur Discord, car aussi tout le monde est le bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo essai de jeu. Et je remercie encore Bamboula BBC pour m'avoir offert ce jeu. Effectivement, c'est un bon jeu que j'aime bien jusqu'à date. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.